visiter le restaurant. Donc j'ai passé quelques années à faire un apprentissage, on va dire. C'était une période de recherche qui a duré à peu près une bonne dizaine d'années. Les pensions d'ouvrir un resto, c'est déjà depuis que je suis arrivée en Guadeloupe en 2003. Et j'ai pris mon temps de faire les choses tranquillement. La cuisine que je voulais et tout ce que vous goûtez là aujourd'hui, un mélange de cultures, que ce soit créole, haïtien, asiatique, américain ou tout simplement français, c'était de pouvoir faire un mélange de toutes ces saveurs et de vous goûter aujourd'hui. Voilà. J'en ai tellement. Franchement, j'avoue que j'en ai tellement, en partant de la pizza à Brooklyn, dans mon enfance, au griot banane pesée à Kinskoff, au restaurant Morimoto à New York City. Alors, je peux vous dire que franchement, je ne sais pas si j'en ai de meilleurs, en tout cas, il y en a pas mal qui m'ont marqué, et ce serait trop long. Vas-y, ce serait vraiment trop long. Pas grand chose, non, dimanche c'est jour de pause. je fais rien, j'essaie de ne rien faire. Le dimanche je fais des gâteaux, donc ce serait plutôt des gâteaux. Je prépare tous mes moelleux sans gluten, mes cheesecakes, mes. Ce serait plus dessert hein, dimanche après-midi à vous dire qu'au vrai repas. Même pour avec mon fils, je cuisine des choses pour lui. Quoi. Mais le dimanche, on va dire un bon plat du dimanche chez nous. Ce serait. Alors, bonsoir.